commence. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a quelque chose dedans. Oh, c'est sale, hein, je vais... C'est sale, hein, je vais l'essuyer un peu. Oh, on dirait une langue. N'aie pas peur, je suis le génie de la lampe. Je peux t'accorder un souhait. Mais attention, un seul. Alors réfléchis bien. Ouh, moi qui voulais toujours rêver d'aller à Tahiti, seulement voilà. D'une part, je suis malade en bateau et une telle traversée est impossible. Par ailleurs, j'ai peur en avion. Et je ne supporte pas d'être enfermée dans ce tube. Alors, mon vœu serait de pouvoir aller à Tahiti sur un pont qui irait de l'île d'Oléron à Tahiti. Je vois bien ton envie. Mais dis donc, pour faire un tel pont, te rends-tu compte du travail? Les tonnes d'acier qu'il faudrait pour soutenir un tel ouvrage. Les tonnes de béton, en plus. Il faudrait construire des stations-service pour faire le plein de temps en temps. Oh non, ce travail, impossible. Fais un autre vœu. Bon, ben voilà. J'ai été mariée et j'ai divorcé 4 fois. Mes hommes m'ont toujours dit que je ne m'intéressais pas à eux, que j'étais psycho-rigide et égoïste, et ça s'est toujours mal terminé. Ça a toujours été un échec. Donc, j'aimerais pouvoir comprendre les hommes. Pourquoi tu veux comprendre les hommes? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Eh bien, je voudrais savoir pourquoi ils ne trouvent jamais rien dans une armoire, pourquoi ils veulent toujours avoir raison, ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils ressentent, pourquoi ils font toujours la tête, pourquoi savoir ce qu'ils veulent vraiment quand ils ne disent rien. Pourquoi ils veulent toujours avoir la zapette à la main, avoir des copains à la maison, les comprendre, quoi. Bon, je vois. C'est un petit génie, hein. Alors ton pont, tu le veux avec 2 voix ou 4 voix? Mais on connaît avec les femmes. On comprend les femmes. Ah, ah, j'ai perdu ma femme. Vous n'avez pas vu ma femme? J'ai perdu ma femme. Vous ne l'avez pas vue? Je ne sais pas où elle est, ma femme. Elle est où, la gendarmerie? Cherche la gendarmerie. Vous ne l'avez pas vue? Je n'ai pas vu la gendarmerie. Elle est où? Ah, merci. Ah, quel malheur d'avoir perdu sa femme. Ça, c'est quelque chose. Bon, bonjour, monsieur le gendarme. Une seconde, monsieur, une seconde. C'est quelque chose, ça. Bonjour, monsieur, chef Gerbert, gendarmerie nationale. Ouais, ben tant pis pour vous, vous avez qu'à étudier à l'école. Ben dites donc, c'est pourquoi? Ben vous savez pas, j'ai perdu ma femme. Elle est partie hier, ça fait 2 jours, elle est partie faire des courses et elle n'est pas revenue. Et elle a ma carte bleue. Je vois. Bon, voulez-vous me la décrire? Combien mesure-t-elle? Oh ben ça, j'ai pas demandé. On sait rien. Votre femme? Elle est maigre? Elle est grosse? Peut-être pas trop maigre, peut-être un petit peu grosse. Je sais pas. Quelle est la couleur de ses yeux? Vous posez des questions, vous, je sais pas. J'en sais rien.
Et alors, quelle est la couleur de ses cheveux? Tantôt, attendez, je vois. Tantôt elle est blonde, tantôt elle est rousse, tantôt elle est brune. Que bon, on sait rien. Bon, alors, quel vêtement portait-elle quand elle est partie? Un pantalon, peut-être, ou une jupe. Que bon. Vous savez, ça fait deux jours, alors depuis, que bon. Bizarre, hein? Vous avez dit bizarre? Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre, je ne dis jamais bizarre. Il a dit bizarre, hein? Ah. Bon, enfin, votre femme était-elle en voiture? Ah oui, elle était avec ma voiture. Alors, donnez-moi la description de la voiture, s'il vous plaît. Ah ben ça c'est pas difficile, parce que je l'ai même en photo, ma voiture. Hein? Une Audi, gris anthracite, V6 Super Turbo 3 litres, avec transmission type Tronic, semi-automatique à 6 rapports. Avec des phares LED à diode, un GPS intégré et des sièges en cuir couleur chamois, une attache de remorque et même une légère égratignure sur la porte avant gauche, à côté chauffeur. Une auto toute neuve. Bon, ben, rassurez-vous. On va la retrouver, cette automobile. Oh, merci, monsieur le gendarme. Oh, je les aime bien, les gendarmes. Merci, monsieur le gendarme. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le chef. Encore un qui aime beaucoup sa femme.